Au-delà du rideau du temps. Frère Branham parle de cette expérience qu'il a eue la première fois dans le message « Le roi rejeté » du 15 mai 1960. Et puis, il a écrit un article dans la revue des hommes d'affaires du plein évangile, « Full Gospel Businessman ». Ce magazine s'appelle « Voice ». Et donc ici, vous avez sous les yeux la page de couverture du numéro de février 1961 de ce magazine, où figure l'article. Alors le 5 mars 1961, donc Frère Branham venait de recevoir un exemplaire du magazine Voice, et il est ici au Branham Tabernacle le 5 mars. Et il prêche sur « Au-delà du rideau du temps ». Et il demande à Frère Neville de lire l'article. Alors c'est ce que je vais faire maintenant, je vais le lire en français. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais. Relaxé, la tête contre l'oreiller. Alors j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, si je vivais aussi vieux que les miens, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait « Tu ne fais que commencer. Presse la bataille. Continue à presser le pas. » Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix a dit de nouveau « Presse le pas dans la bataille. Continue à avancer, continue à avancer. » Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. J'ai mis mes lèvres entre mes dents, je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. La voix a parlé de nouveau. Continue simplement à presser le pas, si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un cantique familier. J'ai le mal du pays, la nostalgie, et je veux voir Jésus. J'aimerais entendre carillonner les cloches du port. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Alors la voix m'a demandé « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ?» J'ai répondu « Ça m'aiderait tellement. » Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps, ou si c'était une translation, un enlèvement, je ne sais pas. Mais c'était différent de n'importe quelle vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'ai été emporté, et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, c'est une chose étrange. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles sont venues vers moi en courant, en criant, « Oh, notre précieux frère !» D'abord, des jeunes femmes sont venues, elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine, et en m'embrassant, elles disaient, « Notre précieux frère !» Des jeunes hommes, dans l'éclat de la jeunesse masculine, les yeux étincelants comme des étoiles dans la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m'ont embrassé en disant « Notre précieux frère !» Alors j'ai remarqué que, moi aussi, j'étais redevenu jeune. Je me suis regardé, là, et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit « Je ne comprends pas. » Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais, et alors j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier ni de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer. Alors qu'une multitude des plus belles jeunes femmes que j'ai jamais vues jetaient leurs bras autour de moi, j'ai découvert qu'il y avait seulement un grand amour qui m'envahissait, sans aucune attraction physique, comme dans le comportement humain. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la taille
et que leur jupe leur arrivait aux pieds. Ensuite, Hope, ma première femme, m'a serré dans ses bras et elle a dit « Mon précieux frère ». Puis une autre jeune femme m'a serré dans ses bras et Hope s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit « Je ne comprends pas ». Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps-là sur le lit. Alors une voix m'a parlé « Ceci, c'est ce que tu as prêché, ce qu'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Rien ne peut entrer ici sans lui. » Ensuite, on m'a amené vers le haut et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. « Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. » Je pensais, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. La voix m'a parlé. « Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient rassemblés auprès des leurs. » J'ai dit « Oui, je me souviens de ça dans les Écritures, mais il n'y a pas autant de Branham que ça. » La voix a répondu « Ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et si belles avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient « Mon précieux frère !» Puis toute la multitude s'est écriée ensemble « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » J'ai demandé « Oh, où est Jésus? Je veux le voir. » Ces gens ont répondu « Il est juste un peu plus haut. Un jour il viendra à toi. Tu as été envoyé comme leader, et quand Dieu viendra, il te jugera selon ton enseignement. » J'ai demandé « Est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça ?» La réponse a été « Oui ». J'ai dit « J'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. S'ils baptisaient au nom de Jésus, je l'ai fait aussi. S'ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, je l'ai fait aussi. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Nous savons cela, se sont écriés les gens. Et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. » J'ai demandé « Est-ce que je dois retourner sur terre maintenant ?» Ils ont répondu « Oui, mais continue à presser le pas. » Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m'embrasser en disant « Mon précieux frère !» Tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit. J'ai dit « Oh Dieu, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur la parole. Laisse-moi me tenir ferme sur la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre fait. Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu merveilleux et plein de joie. » Je suis plus convaincu que jamais dans ma vie qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait que beauté suprême et joie. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même chaque ennemi. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si les canons de l'ennemi sont pointés sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, soyez baptisé maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et plein de joie au-delà du rideau du temps. I'm so homesick and blue.
I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would brighten my path and would banish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny bright cloud. It would strengthen our faith and would banish all fear. Lord, let them look past the curtain of time.